Le 27 septembre dernier, Pierre Arditi a connu un malaise sur scène lors de la représentation de la pièce Lapin. Ce vendredi 3 novembre, l'acteur a fait sa première apparition télévisée depuis l'incident. À quelques jours de célébrer son 79e anniversaire le 1er décembre, Pierre Arditi semble submergé par ses multiples projets. Le comédien a été victime d'un malaise vagal le 27 septembre sur la scène du théâtre Édouard VII à Paris, jouant aux côtés de Muriel Robin dans Lapin. Hospitalisé rapidement, il est remonté sur scène seulement 5 jours après l'incident, un retour précipité puisqu'il a connu un coup de chaud avant une autre représentation début octobre. Dans une interview accordée à Paris Match, il avait avoué être un peu hypochondriaque mais refusé de se reposer, de faire attention. « Il faut que je fasse un peu plus attention. » Invité de Anne-Elisabeth Lemoine ce vendredi 3 novembre, Pierre Arditi a révélé la cause de ses ennuis de santé. « C'est le Covid qui est responsable de tout ça. Parce qu'il a fait qu'un certain nombre de projets qui étaient les miens, se sont télescopés les uns à côté des autres parce que je me suis arrêté pendant 1 an et demie, comme tout le monde, explique-t-il. Il admet avec humour, « Je suis obligé d'admettre que je ne suis plus un jeune homme et qu'il faut donc que je fasse un peu plus attention. » Prévu à l'affiche de Clémenceau, « La force d'aimer », une fiction de France 2 écrite par Nathalie Saint-Cricq, Pierre Arditi a décidé de lever le pied et de remonter sur scène à partir du 8 novembre prochain.